quand bien qu'ayant les yeux clos, on ne trouve pas le sommeil, qu'on soit toujours en porte-à-faux, au premier rayon du soleil. Chantons sous les pins, c'est 5 semaines de festival du 27 février au 28 mars. On accueille 32 artistes sous 36 représentations, aussi de proximité et en acoustique. Et donc, je pense notamment à Yves Jamais, à Sarah Olivier, à Daguerre aussi, à Batlick qui revient, à Evelyne Gallet, aux Grandes Gueules. Ça, c'est une grande première à Chantons sous les pins. Mais voilà comment on... Élie Guillou, La Goutte, Gaël Vigneault, Gabriel Saglio et les VIP, les Croquants aussi qui sont habitués au festival d'été, là on les amène à la campagne en plein hiver, Je Serre qui est un Alsacien à découvrir absolument, Fabien Boeuf, Alioz, parce qu'il y a aussi un volet à Alioz pour la Suisse, il y a un volet francophonie. Pascal Perotto pour les enfants, ainsi que les Oreilles Rouges. Beaucoup d'artistes vraiment venant de tous horizons, de tous secteurs, même du Québec avec Benoît Paradis. Toute une kyrielle d'artistes qui représentent vraiment la chanson sous toutes ses facettes. Je vais dans les cordes, je reviens. Je vais dans les cordes, je reviens. Chantons sous les pins a lieu vraiment dans toutes les Landes. C'est un festival qui sillonne tout le territoire. Donc on va à Mugron, à Saint-Vincent-de-Paul, à Pomarès, à Grenade-sur-l'Adour, à Saint-Martin-de-Seignan, à Parentis-en-Born, à Roquefort, à Luxeuil, à Auris, à L'Arbeille. J'en oublie sûrement, à Souston, c'est nouveau, à Léon, à Rion-des-Landes, à La Bouère. Je pense que j'ai fait le tour là. En même temps, comme dit le bon sens populaire, parfois, mieux vaut être seul que mal accompagné. Chantons sous les pins évolue un petit peu pendant tout le mois de mars. Ça va de la chanson à texte, au piano-voix, en passant par le groupe où ils sont 7 ou 8 sur scène. Voilà, ça, l'idée c'est de vraiment montrer au public que la chanson est riche. La création en ce moment, elle est riche et qu'il faut la découvrir sans forcément s'appuyer sur, par exemple, les radios, les grands médias, quoi. C'est qu'il y a plein d'artistes professionnels mais qui ne sont pas très connus et qui méritent l'attention qu'on leur porte. J'étais tout lourd, tout cassé, tout corrompu par la weed et le temps passé. On continue à te courir après, sans savoir à quoi tu ressemblais. La mine à sec et les cartouches vidées, l'air dans la tête mais rien sur le papier sauf quelques mots aussi engageants.